Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gaz. J'ai pas autant d'énergie que d'habitude. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, la vidéo d'Halloween 2022. Comme vous pouvez le voir, petite ambiance chill, petite LED rouge et tout. Bon Halloween à tous. Bon, je sais que la vidéo normalement elle sort pas pile le jour d'Halloween, elle sort le samedi juste avant. Ils avaient qu'à foutre Halloween un samedi là, ça y est, c'est pas moi qui décide. Du coup les gars, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je parle doucement et tout pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. Hein. Croyez pas que je suis fatigué ou quoi, je suis plein d'énergie, mais je joue mon rôle de narrateur d'histoire à fond. Aujourd'hui les gars, on va tester 3 jeux d'horreur gratuits. Je les ai téléchargés pour ceux qui veulent savoir sur le site itch.io. C'est un site où il y a plein de jeux indépendants gratuits et tout, et c'est notamment le site qu'utilise Billy Rebeu des Terres pour ses live horreurs. Je me suis dit que normalement les jeux ils devraient être bien. Voilà, on va tester. Moi les gars, j'ai très peu joué à des jeux d'horreur, j'ai même très peu regardé des films d'horreur parce que je flippe grave facilement, j'aime pas, ça me met mal. Du coup je pense qu'il va peut-être y avoir des réactions épiques et tout, on verra bien. En tout cas frérot, évidemment, certes c'est Halloween et tout, mais n'oublie pas de mettre ton pouce bleu, de t'abonner, de mettre la cloche, ton petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir, j'irai liker tous les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta, à mon Twitter qui s'affiche juste là et à mon Twitch qui s'affiche ici. Tous les liens de toute façon sont dans la description. Et sans plus tarder, la vidéo peut commencer. Bonne vidéo. Ok les amis, on est directement parti pour le premier jeu. Alors j'en ai téléchargé 3, il y a SpongeBob Killer Pants, donc c'est un jeu d'horreur dans Bob l'éponge. Il y a Halloween Fan Game, donc c'est par rapport au film Halloween, je sais pas si vous connaissez. Et il y a Late Night Mop, c'était le jeu le mieux classé sur le site. Donc je me suis dit, il y a un jeu Bob l'éponge, ça doit faire rire. Halloween, ça doit être stylé parce que j'aime bien le film et tout. C'est un des seuls films d'horreur que j'ai vu. Et Late Night Mop, c'est le meilleur jeu, donc voilà. Je vous propose qu'on commence par SpongeBob, comme ça on commence, on rigole un peu et après. Wesh. J'ai peur pour mon PC. C'est quoi ça, vrai? Il l'a fait sur Paint ou quoi le poteau? Déjà, guette la gueule des Bob l'éponge, frérot. Il y a des traces jaunes et tout. On dirait qu'il a mal fait son truc sur Photoshop. C'était le vendredi 23 septembre. Je filme la vidéo, on est presque le 23 septembre. Désolé les gars, vous me voyez pas trop, je suis rouge, mais travailler chez Krusty Krab en tant que. Tu sais, le travail, c'était normal. Sauf que cette nuit, c'était pas normal. J'ai entendu des bruits, ce que tu n'avais jamais entendu avant. Tu devenais fou et il y avait quelque chose de vraiment bizarre à l'intérieur. Oh non, c'est les touches. C'est les touches américaines, j'ai trop l'air. Ok, c'est bon les gars, j'ai changé les paramètres de mon clavier. Déjà le jeu, là on voit Bikini Bottom. Bon, les gars, désolé, je remets la lumière normale, sinon l'image elle va être trop de mauvaise qualité. Donc désolé pour l'ambiance rouge, ça aura duré 5 secondes, mais on va se mettre comme ça. Il y a une petite ambiance tamisée et tout, ça reste bien. Du coup là on peut voir qu'il y a Bikini Bottom, j'ai une lampe torche. Là on voit c'est le restaurant Krusty Krab hein, en légende. Donc je nettoie la nourriture qu'il y a sur les tables. Voilà, la table. Les gars, ça me stresse un peu. Que rien, un mec qui sort de nulle part. Je nettoie. Ok, bon bah j'ai tout nettoyé. Ok, donc là je dois aller sortir les poubelles et les mettre dans le conteneur derrière. Ok, j'ai jeté la poubelle. Maintenant je dois faire quoi? Wesh. Il y a eu un cri. Je vous jure, je l'ai pas rajouté au montage, c'était vraiment dangereux. Maintenant je dois trouver la cause du cri. Vas-y, je rentre. Oh, c'est le sous-sol. Oh, ça fait flipper. Wesh, j'entends des grognements. Wesh. Pourquoi ça zoomait? J'ai pire screamer, il a même pas mis un truc qui est apparu, il a zoomé mon écran, frère. Ah, mais je vois rien avec la lumière, gros, c'est ça pue la merde. Là je peux rentrer. Wesh. Wesh. Je fais demi-tour là. Ah la gueule. Wesh, wesh. Les gars, prochain jeu. C'est quoi ce jeu? Frérot, je comprends pourquoi il est gratuit, le mec il s'est pas fait chier quand même. Ok les gars, on passe au jeu avec le film Halloween. Bro, je pensais qu'il allait avoir une course poursuite avec alors plus stylé lui déjà. Je pensais qu'il allait avoir une course poursuite frère avec Bob l'éponge dans tout le bâtiment. J'allais devoir le fight avec un balai, j'en sais rien. Et frérot, il y a juste une petite cinématique de 2 secondes. Bon, c'était vraiment éclat. Ok, là le jeu Halloween, déjà ça a l'air stylé. Get. Oh, l'animation stylée. Bon, je suis pas là pour faire une. Oh là, j'ai des items et tout frère. Wow, téléphone sonne. Oh les gars, le jeu il est beau, ça me fait plaisir. Allo, c'est comment? Go, residents. Envoyez Tommy dormir, vas-y va dormir mon poteau. Il est l'heure. Arrête de regarder. Il regardait quoi là la télé? Je crois que c'est le dernier épisode de One Piece. Wesh, il a trace. Vas-y va dormir. Ok, je dois fermer les. Frérot, toutes les portes de ma maison elles sont fermées, c'est quoi ce délire? Fais bien dodo. Wesh, mais ta couette, on est en hiver frère. Il est fou quoi, il va attraper un rhume la suite. Oh, prends un couteau, prends un truc, prends un gun frérot. Attends, je crois que si j'appuie sur G, j'ai un gun. Wesh. Il faut que je rallume la lumière. C'est par là ouais. Mais qu'est-ce qu'il veut? Eh, hey, retourne dans ta chambre, toi! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est la suie là! Eh, hey, je vais l'enfermer! Wesh! Bon, on va faire genre que j'ai rien vu. S'il se fait grave par l'autre, là, c'est son problème. Wait. Ok, let's go. Oh, j'ai retrouvé le gamin, les gars!
Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, j'avais pas vu, il y avait deux portes là. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Je peux même pas lui parler, je peux rien faire. Let's go, les gars, enfin. Putain, les gars, no joke. Ça doit vraiment faire 15-20 minutes que je cherche. Hein. Vous avez pas vu, vous, mais ça fait vraiment 15-20 minutes que je cherche. Ok, j'ai mis les likes, carré. Oula. Je dois faire quoi? J'ai pas le gun, les gars, j'ai pas le gun. Y'a pas le gun en légende? Y'a pas un gun? Ok, y'a une clé. Je la prends, mais ça va pas m'aider. Oh, je m'enferme. Ok, les gars, je vais le bait, ok? Il va essayer de venir dans ma direction, je vais. Vas-y, viens. Viens. Hop. Je suis coincé. J'ai bugué. Oh, j'ai réussi. Je suis blessé, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'appuie sur contrôle pour respirer bien. Clic to shoot. Oh, c'est bon, j'ai le gun. Oh, j'ai trouvé. Il va être un peu sonné, même si je le one-shot pas, il va peut-être. Ok. J'ai tiré à côté. Oh, le con. Ok, vas-y. Hop là. Ah! Mais pourquoi il est pas mort? Hop. Oh non, il m'a tapé. Oh non, je suis mort. Bon, les gars, j'ai pas réussi. Je vous jure, ça fait au moins 20 minutes. Je suis en train de tryhard, c'est trop dur. Du coup, parce que de toute façon, en fait, on a vu les screamers, on a vu l'ambiance du jeu et tout, c'est ça qu'on voulait voir. Voilà, il fallait lui mettre toutes les balles, donc il fallait avoir les 3 modes de munitions, c'est une galère. De toute façon, la fin, elle est pas ouf, juste tu tues le gars et voilà, après c'est fini. Bref, on va passer au troisième jeu, Late Night Mob. C'est tout bon, les gars, on est sur le troisième jeu, Late Night Mob, le jeu le mieux classé du site, donc j'espère que ça va être une dinguerie. Je vous jure, j'étais en train de devenir fou, j'ai mal. Oula, ça commence. Hey, sorry for calling you so late. Ok, donc en gros, le mec nous a appelé et nous a dit: je suis désolé de te déranger, est-ce que tu peux ranger la maison et faire un peu de ménage parce que j'ai des invités qui arrivent et c'est un peu le bordel. Ok, je dois ramasser ça. Wesh, mais c'est ménage simulateur. Wesh, c'est ménage simulateur, frérot. Super, incroyable le jeu. Je vais nettoyer les chiottes. Super, mais tu voulais avoir peur, ça fait plaisir. Wesh. Wesh, c'est pas ce bruit. C'est pas ce bruit. J'ai rien vu. J'ai même pas vu de screamer. Wesh. Ah non. Wesh. Ouais, wesh, nettoie ça, ouais. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo spéciale à Halloween et tout. Ça change grave de ce qu'on a l'habitude de faire. Franchement, moi j'ai kiffé les jeux d'horreur et tout. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en refasse. Je sais qu'il y a plein de jeux d'horreur bien, genre Five Nights at Freddy's, Resident Evil et tout. N'hésitez pas à me dire. Bon les gars, ça va. Après, les jeux étaient pas trop flippants en vrai, c'était des petits jeux gratuits. Mais franchement, le premier m'a fait grave rire. Deuxième, les gars, j'ai trop la haine contre ce jeu. Parce que là, je tourne le 3 après le montage. Vous savez que j'ai filmé pendant 50 minutes, les gars. Sur ce jeu, sur cet unique jeu, pendant 50 minutes à chercher les clés et tout. Vous, ça durait 2 minutes, 3 minutes dans la vidéo. Moi, j'ai passé 50 minutes, frère. J'avais trop le mort à la fin. Et le dernier jeu était bien flippant et tout. Donc, c'était carré. Bref, frérot, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche. Ça fait plaisir, rejoins l'aventure. À mettre ton petit commentaire pour le référencement, n'oublie pas. N'hésite pas à t'abonner à mon Insta et mon Twitter qui s'affiche juste là. Je suis hyper actif. Et à t'abonner à mon Twitch qui s'affiche juste là. Peut-être qu'on fera des soirées horreur. En plus, là, c'est les vacances, donc on va pouvoir bien live et tout. Donc, viens vraiment sur Twitch, mon frérot. Et voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, moi, je vous dis à samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo et gros bisous.